Vous savez que les gens cherchent beaucoup à imiter votre énergie. Malheureusement, vous allez beaucoup connaître ça ces derniers jours ou prochains jours. Je dois vous faire écouter l'audio aussi. Écoutez juste, fermez les yeux. D'entre vous, vous ne savez même pas ce qui se passe depuis quelques jours. Vous savez même pas.
C'est comme si vous êtes dans un tourbillon. Mais vous sentez que la lumière est proche. Quand tu saoules, quand tu saoules, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme prisonnier dans ton corps. Et tes actions ne sont plus les tiennes. Vous avez des combats que vous menez. C'est même pas de. C'est pas votre tête qui va mener les combats. Vous essayez de faire les choses que vous êtes censé faire, mais vous n'y arrivez pas. D'habitude, tu voyages. D'habitude, dans la journée, tu bouges. Mais là, tu bouges, ça ne bouge pas. S'il le faut, hein, couche-toi, tu dors. Arrête-toi. On est en train de t'authentifier. Bonsoir, Henriette, comment tu vas? On est en train de te mettre un sceau. Un sceau. Qui montre que voici l'authentique. Ta famille a voulu faire la contrefaçon. Ta famille a voulu prendre ta vie pour donner à une autre personne qu'elle vive. Ils sont en train de te restaurer tout ce qu'on t'a volé. Ils sont en train de t'amener dans une autre dimension où tu pourras supporter 50 choses en une fois. Avant, quand tu pensais à ton appel, tu te disais, c'est censé se passer comme ça. Je fais d'abord comme ça, après je fais comme ça, après je fais comme ça. Mais là, tous les tableaux de vision que tu as mis, toutes les procédures, oui, je vais faire comme ça, après je fais mes papiers, après on se marie, après on a les enfants, après. Ils sont en train de tout chambouler, n'est-ce pas? Tu n'es pas loin du plan de Dieu. Tu es toujours en évolution. Que ce soit dans la limousine, la Bentley, ou que ce soit dans le, sur la moto. Oui. Oui, oui, tu es devenue forte mentalement. Oui, oui, oui. C'est même ton esprit qui combat. Beaucoup de vos batailles, ce n'est pas, vous qui battez. Non, non, non. C'est ton esprit. Ton esprit est devenu. Il y a les gens de ta famille qui te simplifiaient. Elle, là, c'est qui? Elle, pourquoi? Est-ce qu'elle a l'argent? Beaucoup d'entre eux ont essayé de t'imiter. Et avant, tu te mélangeais avec les gens. Mais là, tu ne ressens plus l'envie de te mélanger ou de te rabaisser pour compatir à leur façon de parler. Parce que tu sens que tu es devenu différent d'eux. Ce n'est pas que tu es devenu hautain, non. Avant, ils pouvaient se plaindre pendant des heures, tu écoutais. Ah, on va faire comment? Est-ce que ça va aller? Oh, ah, Ce n'est plus la même chose pour toi. Tu ne veux plus compatir, même si ça, même s'ils ne t'aiment pas. Tu ne veux plus. C'est ça, non? On a dit que qu'est-ce qui pouvait sortir de toi. Maintenant, on est en train de dire qu'on est fier de toi. C'est comme ça. Beaucoup vont venir maintenant à côté de toi. Tu seras surprise par les éloges qu'on va te donner.
Tu sais que mais la femme, si elle ne m'appréciait pas, je sais qu'elle est trop orgueilleuse pour me dire que ça, c'est bien sur moi. Elle est trop orgueilleuse pour me dire que je suis belle. Je ne suis pas ici pour aider quelqu'un. Hein. Je ne suis pas l'orphelinat. La femme, si elle a trop d'orgueil pour me dire que je suis belle. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Tu as suivi? J'ai dit que quoi? Tu ne peux pas te permettre de baisser la garde. Les personnes de ton entourage vont... Tu vas traverser l'étape où ils vont vouloir te ressembler. Ils vont vouloir marcher avec toi. Dis-moi non, tu fais comment? Te voilà, couture, couture. Je suis la femme si, couture, couture. Tante, tu vas voir. Tante. Ah, c'est elle. Ah, eh, pardon. Je la connaissais. N'est-ce pas? Avant, ça fait 3-4 ans, elle faisait... Ah, pardon, ces trucs-là. Voilà comment ils perdent ta bulle. Voilà comment ils viennent pour te rabaisser. Oui, dis-moi, tu fais encore comment? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Montre-moi, non? Quand quelqu'un que tu connais que... Et il y a certaines personnes autour de vous qui ont des esprits en eux. Donc ça, moi, je fais trop attention aux amis. Je look-out. Ma grand-mère disait toujours que look-out. Même comme en anglais, ça veut dire look-out. Elle disait toujours que look-out. Quand on me rentre trop dedans. Oh, franchement, je t'ai gardé ça. Oh... Tu veux quoi? What do you want? Ils sont sur vos réseaux sociaux dès que tu postes un statut. Ah! Oh, c'est beau, hein? C'est beau, franchement, c'est beau. Ne tombez pas dans la sympathie. Parce que beaucoup viennent pour se mesurer à vous. Beaucoup viennent pour vous faire la concurrence. Et il y a des choses qui ne vous intéressent pas, genre, moi, je ne suis pas trop, peut-être, vêtements, je ne suis pas trop voiture. Choisis, tu as un truc que ça ne t'intéresse pas vraiment. La personne vient maintenant. Et tu as une petite voiture comme ça. Non, vraiment, tu sais, moi, je connais telle star. Elle a une grosse voiture. Hein? Faites attention. L'esprit de comparaison va venir. Quand toi, tu ne fais pas comme... Ne faites pas quelque chose pour leur faire plaisir. Et les services trop bien rendus, assurez-vous de récompenser qui de droit. Quand Dieu envoie quelqu'un pour qu'il t'aide, tu le sens. Tu le sens. Il ne t'aide pas et tous les jours, il est dans ton inbox. Moi, j'aime tous les trucs de je sais pas, romantisme, je ne suis pas trop dedans. Donc, tiens, ne m'envoie pas ta photo. Ne m'envoie pas ton... Ne me dis pas ce que tu fais, ne me dis pas ce que tu manges. Je ne veux pas savoir. Parce que quand tu me dis ta part, tu vas vouloir que je te dise ma part. Et je ne veux pas te dire ma part. Je veux savoir ce qu'elle mange. Je veux savoir. Et après, ils vont vouloir dire, c'est moi qui ai fait telle chose pour elle. Je ne manquais pas d'abord. Je ne cherchais pas ce que tu venais me donner. Je ne cherchais pas. Tu viens me donner maintenant, tu commences à faire que, oh, c'est moi qui ai donné. Faites attention. Qu'on ne t'attache pas avec ce dont tu n'as pas besoin. Qu'on ne te manipule pas avec quelque chose dont tu n'as pas besoin. Écoutez votre intuition. Il y a même les gens avec qui vous ne devez pas trop parler. La conversation, c'est un échange d'énergie.
Je te parle. Tu me parles. Je te parle. Tu réagis à ma parole. Oui, on m'a offert telle chose. Et il y a même certaines joies, certains bonheurs que vous ne devez pas dire à n'importe qui. Peu importe la gentillesse de la personne. Je me rappelle toujours de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète, il avait passé son temps. Le jeune prophète avait 1 million de followers sur TikTok. Les gens le cherchaient, il était tendance. Tu m'as rencontré une femme comme ça, là, toujours un événement. Elle me voit. Ah, tu es une star. Moi aussi, je suis une star. Elle dit que maman, si tu savais que je ne voulais même pas qu'on me connaisse dans cet événement-ci. Ah, ah. Et la regarde sa main. Franchement, j'ai partagé tout ce que toi tu mets sur ta page. J'ai partagé sur ma page. Il dit ok. Ok. Tu as partagé, non? Elle vient me montre. Elle n'a mis mon nom nulle part sur sa page. En fait, elle a volé mes pensées. Elle a mis sur sa page, elle a mis sa photo. Oh, tu es une star, moi aussi je suis une star. Il faut qu'on se... We have to link up. Oui, il faut que je t'appelle demain, prends mon numéro. Le vieux prophète n'avait pas de compte TikTok. Il entend ce que le nouveau prophète, le jeune prophète, est en train de faire. Comment il traite le roi du pays. Comment le roi a peur de lui. Et Dieu avait donné une instruction au jeune prophète. Ne mange pas chez quelqu'un. Le vieux prophète dit à ses enfants que cherchez-moi son TikTok. Faites-lui un DM. Je vais lui parler. Bonjour. Moi aussi je suis appelé de Dieu. Oui, Dieu m'a dit que tu dois venir manger chez moi. Oui, c'est les anges qui me parlent. Ah ah. Il y a des personnes, quand tu finis de causer avec eux, tu es fatigué. Maintenant, le jeune prophète commence à dire que, ah, il dit, moi aussi, je suis appelé de Dieu. Bon, il ne peut pas parler de Dieu comme ça, c'est lui-même. Il y a un niveau où tu es tenté par les gens spirituels. Les gens qui commencent les prophéties, quand ils te disent comme ça, c'est net, net ce que Dieu t'a dit. Oui ou non? Net, net. Mais la fin est bancale. C'est comme ça là. C'est bois. C'est pas le voilà qui part chez lui pour s'asseoir pour manger. Je ne prie pas pour quelqu'un ici. Tu as compris? Tu n'es pas seul ici que c'est rien ne donne dans sa vie. Quitte ici, je ne prie pas pour les gens. Tu m'as vu en train de prier. Partez tout dans les églises. Pasteur, prie pour moi. On veut t'apprendre à prier, tu refuses. Prie pour moi. Pardon, quitte ma page. Il arrive, il mange. Il s'assoit, il mange. Pendant qu'il est en train de manger, la vraie parole de Dieu vient au prophète. Et le... Comme tu es parti manger chez quelqu'un alors que tu es dit de ne pas manger, tu vas mourir en rentrant. À qui la faute? Parfois, vous cherchez tous les gens à côté de vous. Je veux quelqu'un qui comprenne ce que je traverse. Oui, quelqu'un qui comprenne que je suis élu. Tu es élu, garde ça pour toi. Leur choix. Il y a les révélations que Dieu te fait. Il n'y a pas, je me partage, même si on me parle de toi, pourquoi il vient te dire là, c'est Dieu? Si tu n'es pas disposé pour écouter, je ne te parle pas. Oui. Je peux prendre mes perles et viens te donner. Tu écrases ça. Tu as fini de parler de ton frère, après tu as eu froid, le lendemain tu es tombé malade sûrement.
faites attention. Il y a les gens qui vous regardent de loin. Ils regardent vos statuts comme ça. Ils veulent seulement venir à côté de vous. Il y a les gens qui voient la façon dont tes enfants sont bien là. Ton mari est bien. Et on connaît que ton mari est gentil. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a les relations que quand tu es avec ton mari, vous êtes bien. Dès que tu introduis une deuxième personne, une troisième personne, même si c'est ta cousine, ta soeur, ton père, oui, ton mari ne m'a pas salué ce matin. Ah, il ne t'a pas dit, je lui ai demandé de m'amener au marché, on est parti au marché. Donc voilà maintenant, tu dis que ouais, pourquoi mon gars ne m'a pas dit ça? Pourquoi il ne m'a pas informé de telles choses? Parce que tu as pris une autre personne, tu as mis dans la conversation. Parce que tu as pris quelqu'un d'autre, tu as mis dans votre conversation. Le kit déblocage est la vidéo en ligne. À moins que tu n'aies acheté chez l'arnaqueur. Il y a les gens qui vont mettre ma photo sur leur profil, ils vont vous écrire. Je ne vous écrirai jamais. À bon entendeur, salut. Les scammers vont venir vous contacter. Bonjour ma fille. Je n'appelle personne ma fille. Comment tu vas ma fille? Et quand cette personne rentre dans votre relation, la personne veut donner son opinion sur tout le monde qui est dans ton entourage. Oui, telle personne devrait... Oh, ta mère ne doit pas faire comme ça. Ton gars ne doit pas faire comme ça. Franchement, il faut faire attention. Le genre de gars là... Faites attention. Votre problème, c'est parce que vous attendez toujours la direction de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je pense que je suis en mesure de comprendre ce que Dieu m'a dit. Je connais très bien la direction que Dieu veut que je prenne. Vous pensez que Dieu peut être assez bête pour aller te dire ma direction? Hein? Donc Dieu va me laisser. Oh, takanan. Singo. Et il va me laisser, il va te dire ma chose. Oui, tu en penses quoi? Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Faites attention. Je fais trop attention aux opinions des gens sur ma vie. Je ne veux pas ton opinion. Si tu as l'argent, ton argent est le bienvenu, mais pas ton opinion. Et personne ne donne l'argent à l'autre. Même les cadeaux, je ne veux pas. Ne fais pas les cadeaux. Ne me donnez pas. Parce qu'il ne veut même pas te dire merci. Oui. Quelqu'un vient te donner quelque chose, quand tu veux dire merci maintenant, non, 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 mais dis pas merci. Parce que... La personne sait que si tu dis merci, là, c'est fini. Il ne veut pas le merci. C'est derrière là maintenant. Oui, je peux venir te visiter. Oui, dis-moi un peu non. Ouais, j'ai besoin de telle chose. Tu en penses quoi? Non. Je vais te dire merci. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu pars avec ta chose. Je ne veux pas. Mais oui, prophète, tu as bien dit ça. Pour embrouiller. Pour t'embrouiller. Je n'étais pas là-bas demander au cadeau. Tu viens, tu me donnes. Quand tu me donnes là, moi je vais te dire merci. Il veut moi te dire merci. Et comme je te dis merci là, c'est bon. Hein? Il ne veut pas entendre demain que, oh, après que je lui ai donné ça, après que, je pouvais acheter la chose là moi-même. Je pouvais acheter. Il y a une façon très, très... Comment on peut dire ça?
J'aime quand mes relations, toutes mes relations sont déterminées. Je ne veux pas rester, j'ai une dette que je ne connais même pas envers quelqu'un. Je ne connais même pas. Oui, c'est moi qui t'avais donné les arachides, ça fait 2 ans là. Les arachides qui valaient 3 000 à l'époque. Maintenant, tu vas venir me demander quelque chose de je ne sais quoi. Faites attention. Il y a le mot désolé, il y a le mot merci. Moi, je l'ai dit vraiment avec caution. Pour éviter le mot désolé, vous devez avoir des termes clairs. Chacun connaît ce qu'il doit faire et chacun fait ce qu'il doit faire. Je n'ai pas besoin de te dire désolé parce que j'ai fait ma part. Et pour le merci, si c'est quelque chose que tu es censé faire, parce qu'il y a merci et merci. Il y a le genre de merci que tu dis, ça couvre tout. Et la personne dit vraiment de rien. Il y a le genre de merci que tu dis, oh non, 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 ne te dérange pas, c'est rien. Mais à partir de l'acte là, tu sens que la personne a mis un pied dans ta porte. Oui, tu me dis. Tu vois que depuis que tu m'as fait le cadeau là, tu crois que tu as le droit de... Abeg, Soso. Il y a des merci que c'est un pied dans ta porte. La personne, on s'est piqué. The person is going to start picking inside. Like. Hein? C'est comme ça que ces caleçons sont. Maman, dans ce sens, la salle de bain est. Combien de fois laisser les gens venir chez vous alors? Ils vont aller voir. The next thing you know, la personne va acheter le même déodorant que toi. Le même parfum que toi. La même pas d'actifs que toi. Sérieusement, hein, les gens sont people are freaky. People are freaky. Les gens sont bizarres. Je fais mes ongles comme ça. Tu veux aussi faire tes ongles comme ça. Hein? Comment je fais ça? Tu peux aussi faire ta part. Et ce sont les signes que vous ignorez beaucoup. Vous passez au-dessus. Tu vois, la semaine là, tu es venu chez moi, tu es entré dans ma douche, tu as vu un truc. La semaine d'après, tu te vois avec la chose. Ça veut dire que tu as vu, tu es parti acheter ta part. Voilà les signes, hein. Voilà vos signes. Parce que les gens vont chercher à copier votre énergie. On veut savoir comment tu fais ce que tu fais. Je me rappelle il y a ça quelques années quand je suis arrivée au Cameroun. J'ai certaines de mes soeurs Ticon qui étaient venues chez moi. À l'époque, j'avais une gamme d'huile que j'utilisais. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des envies secrètes dans le cœur des enfants. Là. Moi, je me disais que ce sont les enfants, non. Ah. Mais je ne savais pas si les enfants avaient les intentions qui dépassaient même ma part. Tu es à l'université, au pays. Et te dis que ma gamme de crème de trucs, c'est 200 euros. The next thing I know, je vois sur tes statuts que tu as fumé ta part, que tu as acheté. Vous savez que c'est un enfant qui te dépasse? C'est un enfant qui te dépasse? Très souvent, vous avez laissé ça passer. Non, c'est rien, non. C'est rien, non. 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 Et beaucoup d'entre vous, vos gars sont très gentils. Vos gars sont très gentils. Il me rappelle à l'époque, là, cette même personne qui avait demandé la crème, voulu prendre ma crème là. L'autre fois, mon téléphone. Allez, tout plein de téléphones là, comme ça. Ton téléphone, si c'est combien? Mais le petit, c'est là, ça me va. Hein? Vraiment, c'est ça qui me va. The next thing, la prochaine fois que tu vois, la personne a le même téléphone. Careful. Fais attention. Vous pouvez avoir les produits sans être consulté. Commencez par le kit fondation. Le kit déblocage est disponible aux États-Unis actuellement. Comment faire pour éviter cela? Fota, tu vas sortir de mon direct. Fota, ou gâtem, oui ou non? Prochain truc que je vois, c'est la personne là qui parlait directement sur le téléphone de mon fiancé. Oui, tu es où? Oui, c'est parce qu'on devait se voir.
Première fois que mon fiancé rencontre, il dit, fais attention à tes soeurs. Je ne sais pas, mais fais attention. Je dis seulement. Non, ce sont mes soeurs, non? Ce sont mes soeurs. Quand même. Ce sont mes soeurs, non? Hein? Coco. Maman. Le jour où elle appelle, il est en train de conduire, c'est moi qui décroche. Elle appelle en vidéo, s'il te plaît. Tu appelles mon gars en vidéo comment? Hein? Je décroche dès qu'elle me voit. Ah, oui. Parce qu'on avait rendez-vous, on devait se rencontrer pour faire, essayer les habits à tel marché, non? Oui. Pourquoi c'est pas mon téléphone que tu as appelé? Non, je dis, voici mon téléphone, tu ne m'as pas appelé. Ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné. L'envie, c'est quelque chose que si tu détectes ça très vite, ça va te déranger. Parfois, on voit ensemble dire qu'elle ne mérite pas le genre de gars si. Pourquoi elle a le genre de gars qui a les chocolats sur le ventre? Pourquoi elle a le genre de gars qui est beau, attentionné comme ça? Et tu n'as rien fait. Et vous savez qu'il y a certains parmi vous là que vous avez tous les chocolats terribles. Hein? Tous les chocolats alcoolisés. Hein? Pour donner les numéros de leur gars aux copines et aux soeurs. Non, mamie, on était partis au pays pour faire le mariage, non? Et elles étaient chargées des vêtements du mari et de la mariée. Donc, il fallait l'amener pour qu'il mesure. C'est comme ça qu'elle a eu son numéro. Reine dit que mon gars, c'est une place. Oh, chocolat farotteur. Chocolat mignon. Il reste quand c'est dit que, oh, ma femme chérie, attends, on te fait même des chaussures. On a acheté des chaussures de 3000 euros là. On t'aligne même 5-6 paires de chaussures. Bon, ça les énerve. Comme ça là. Eh, mamie, l'envie, Joseph, l'envie, c'est le début de la sorcellerie. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Il y a une de mes filles là qui a son gars aussi. Il est dans l'entreprise avec nous. Moi, j'ai déjà donné les veto à toutes les filles. Que même dans le rêve du rêve, il ne veut pas. Ne le complimentez pas. Même s'il est bien habillé aujourd'hui, ne lui dites pas. S'il sent bon, ne lui dites pas. Laissez-le. Lui, il ne sent pas bon. Laissez-le, il sent la sueur. Ne complimentez pas le gars de quelqu'un, c'est quoi? Hum? Hein? Oh, tu sens bon, hein? Hé, hey, monsieur! Monsieur Jérôme, franchement, vous êtes bien habillé aujourd'hui, hein? Ne le complimente pas. Il fait partie des gars de l'entreprise qu'il ne faut pas complimenter. Ne le voyez pas. Oui. Voilà. C'est que c'est moi-même qui ai porté le chapeau de l'affaire. Ne complimentez pas. Est-ce que moi, je blague avec ça? Ne complimente pas, même mon gars, ne le complimente là pas, laisse-le. Oui, laisse, il est laid. Oui, laisse, il est laid. Il ne sent pas bon. Il faut les laisser. Elle est venue te rendre visite. Un mois après, tu pars, elle a acheté tous tes produits de beauté. Tchaï! Alors qu'elle est noire, tu es brune. Parler t'a dépassé. Jusqu'à la même marque du coton. Pardon, mamie. Oh, Seigneur. Maman, tu viens me voir avec mon gars. Tu ne t'habilles pas bien. Je te raye de mes amis. Parce que moi, je ne m'habillerai jamais indécemment pour aller voir ton gars. Impossible. Je ne veux même pas que ton gars reste comme s'il se dit que, waouh, la soeur de ma... L'amie de ma femme, là, elle a les belles cuisses. Je ne veux pas. I don't want to. How? Comment? Why? Pourquoi? Hein? Oui, ton gars m'énerve, il est bizarre avec moi. Il n'y a pas de problème. Laisse mon gars. Il n'est pas bizarre avec moi. Écoutez, soyez vigilante. Et ce sont les trucs que ça vous frappe. Parce que si elle voulait acheter ta gamme d'huile innocemment, elle allait te dire, oui, ta gamme, c'est là, je vais aussi essayer. Vraiment. Et tu lui dis là où tu as acheté. Non, elle va partir prendre en cachette. Acheter en cachette.
Chercher aussi elle-même sans te dire. C'est comme ça que tu connais que c'est louche. C'est déjà des personnes. Ils vont chercher à vous imiter. Ah, on va apprécier la créature divine. Kensa, ne t'amuse pas avec moi. Hein. Quand on va apprécier la créature divine. Créature divine de quoi? Va chercher le chien, tu l'apprécies là-bas dehors. Va apprécier les pieds du chien. Oui, il faut laisser mon gars. Parle des oiseaux qui sont beaux. C'est quoi? Non, il est beau, hein. Non. Même les trucs, oh, salut telle personne pour. Non, faut laisser. Pour tarman. Laissez. Laissez. On te retrouve après, tu as seulement tes yeux pour pleurer. Quand on est venu, on a gâté. Il ne veut pas le gâtage. Ange, bonjour. Allons, parle, vous riez comme ça. Il y a des personnes ici là que vous avez vu ça. Vous avez récolté les séquelles de cette affaire-ci. Vous avez lu l'heure. Comment ton kit de fondation, tu payes? Quand tu dis que tu demandes que ce sera disponible quand? Tu payes, on va envoyer. C'est comme ça. Maman, les gars qui se promènent torse nu, moi, ils ne veulent même pas savoir. Tu es mon gars, tu ne t'habilles pas décemment. Toi et moi, on a des problèmes. La ménagère à la maison, tu sois avec le torse. Tu crois que la ménagère aussi, là? Tu crois que ça la laisse? Pardon, laissez-moi, attendez, rire d'abord. Ah, yeah. Est-ce que la ménagère, ça la laisse? Oh, Seigneur Jésus. Voilà, j'étais un vase de noix. J'étais avec une amie. Oh non, affaire de ménagère, va-t-on laisser? Oui, ça va, on va bientôt envoyer, ma chérie. Si tu as déjà payé, c'est bon. Sa mère l'a tapé avec le bâton. Copier le modèle sur ton statut. Waouh, reine, tu dis que tu voulais acheter un vase, ton ami te décourage. Après, tu pars, tu trouves ça chez elle. Mamie, fuis là. Fuis là. Fuis là, maman. Zouli, il faut apprécier les pieds du chien. Vraiment, les inspirations de ce soir-ci là. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà. Mon gars ne faisait que me dire que fais attention à ton ami. Je ne comprenais pas toujours. Voilà. Eh, hey, ménagère quoi, épouse, c'est devenu une affaire nationale. Pardon, il faut écouter les bouches de vos gars quand ils parlent de vos amis. Mamie, j'ai pas lu les cartes depuis là. Je suis en train de faire la lecture progressivement. J'ai lu peut-être. J'ai une liste de au moins 70 personnes à lire. Et chaque jour, je lis peut-être 10. Je m'arrête. Et chaque jour, il y a encore peut-être 5 qui s'ajoutent. Voilà, donc il faut seulement être patiente. Je lis seulement selon ce que Dieu me permet de faire. Parce qu'il y a trop de bagarres nocturnes qu'on fait, donc. Vraiment. Non, pardon. Moi, je ne veux pas. Faites seulement attention. Et cette partie d'être redevable aux gens là, ça aussi. Ha. Au début, elle vient en pagne. Après, elle vient mini jupe sainte dehors. Non, non, moi je te renvoie. Moi je te renvoie. Bonsoir Pierre Bitounou. Je te renvoie. Je préfère que ma maison soit sale au lieu d'avoir une ménagère qui me dit je te renvoie. Et il y a un niveau quand tu commences à devenir hautain là. Moi, je ne tolère pas. I don't take bullshit, man. Je ne veux pas savoir. Parce que vous savez qu'il y a les esprits que quand ça entre dans quelqu'un, tu peux sentir. Tu vois, la personne commence à te répondre bizarrement. Tu l'appelles. Elle entend. Elle ne répond pas. Ménagère. Alors qu'avant, quand elle vient d'arriver, elle disait oui, tata. Oui, tata.
Imagine, tu as le chocolat qui a le torse des 4 heures là. Hein? Il passe torse nu devant la ménagère. Oui, lave mon pantalon si. Elle prend. Oui, tonton. Elle commence un peu à sourire. Je ne peux pas imaginer le scénario. Je ne veux même pas. Ma chérie, je vous ai moi déjà dit. On a signalé le compte de la personne ici un jour. Mais c'est un membre de ma famille qui a décidé de me nuire. Du coup, il crée les faux comptes. Il met ma photo sur les pages pour aller arnaquer les gens. Donc, ceux qui me suivent sauront. J'ai bien dit, je n'écrirai à personne. Je ne vais contacter personne pour dire que je vois quelque chose sur lui. Mes numéros sont sur la page. Si on vous arnaque, tant mieux pour vous. Voilà. Vraiment. Et parfois, c'est comme si vous êtes même en bataille. Justement, les amitiés, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas genre, j'ai beaucoup d'amis. Non. C'est vraiment d'être sûr que je préfère les connaissances. Je peux dire que j'ai les connaissances. Au lieu d'avoir des amis. Tu peux acheter le kit sans avoir fait la consultation, Véronique. Prends un kit fondation et tu demandes fondation ou bien le kit déblocage et tu demandes le lavage à distance. Une amie, c'est quelqu'un que si tu as une bonne nouvelle, tu partages avec la personne. Et vu l'état de leur cœur, généralement, ces amis-là ne prospèrent pas. Tu vas voir que dans la relation, c'est généralement toi qui es high. Et quand tu dis ta chose à quelqu'un qui est en bas, toi, tu es en haut, la personne va vouloir te tirer vers le bas. Pourquoi tu dis, ouais, pourquoi tu n'es pas aussi heureuse? Non, pourquoi tu ne réagis pas mieux, bien? Non, c'est son esprit. La personne n'a pas fait autrement. Et donc, la personne va un peu diminuer la dose de ton énergie quand tu vas venir partager ta nouvelle avec elle. Donc, vraiment, je ne sais pas, vous avez besoin des amis pour faire quoi, en fait? Vous en avez besoin pour? Je préfère avoir des connaissances et des employés. Et quand je te contacte, si tu as une connaissance, et je mets un deal sur la table, je veux m'assurer que je sache où tu sors. Parce que quand c'est un homme, il va venir pour te draguer après, même s'il sait que tu es marié. Il y a des hommes qui te dragueraient devant ton mari. Oh, madame, vous êtes tellement belle. Oh, my God. Oh, oui. Oh, oui, vous avez été à Paris. Oh, ben oui, j'étais là-bas, franchement. Ton mari est à côté. Bébé, tu n'as pas encore fini. Non, 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 ne partez pas encore, madame. Ne partez pas. Oui. Oui, on va vous donner une réduction dans mon restaurant. Oui, venez, venez ce soir. Vous allez voir. Si je deal avec toi, je dois savoir ce que tu tires comme tu es en train de vouloir me connecter. Tu tires quoi de ça? Tu gagnes quoi? Parce que quand quelqu'un t'aide parce que Dieu lui a dit, la personne peut t'aider, il disparaît dans la nature sans demander ton numéro. Il y en a parmi vous, vous avez peut-être trompé vos maris à cause des gens qui ont voulu vous aider. Et parfois, tu peux tromper ton mari seulement en pensée. Tu parles tellement bien avec quelqu'un. Oh, à 2 heures, tu as téléphoné avec lui. Il sait que tu es marié. Il sait que tu es marié. Nous, on travaille sur tel projet, chérie. Ton mari attend, viens te coucher, non? Non, non, on est encore sur tel projet. Tu as téléphoné avec lui. Il parle un mot, c'est sur le projet. 10 mots, c'est pour te complimenter. Tu es là, c'est là. Comme une fille qui ne fait pas bien l'amour. Tu ne fais pas bien l'amour. Bouba, bonjour. Après, il te promet, non, non, tu as une belle voix. Je connais tel producteur.
Donne-moi le numéro du producteur, tu sors de ma vie. Non, non, non. Il va te tourner, tourner, tourner. Non, apprenez à détecter ces gens-là. Et vous pouvez sentir aussi. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais avec, avec mon mari. On m'a donc rencontré quelqu'un. Une fille qui ne fait pas bien la roue. On a rencontré un monsieur, une troisième personne. Et il s'avérait qu'on avait beaucoup d'affinités. Genre, il parlait de ça, ça, il connaissait, connaissait. Donc, ce genre de personne qui peut te relancer dans la conversation. Et c'était quelqu'un de cultivé. Genre, il va rebondir sur tout ce que tu dis. Ah, moi, j'ai senti trop de... Il a dit comme un esprit de séduction. Ça m'étonnait parce que mon mari était là. Hein. Je me suis dit, mais les gars ne se gênent plus de nos jours. Après qu'on arrive dans la chambre, mon mari me dit, quand tu parlais avec lui, je sentais la jalousie en moi parce que j'avais comme l'impression qu'il te draguait. Je lui dis, effectivement, j'ai senti ce truc qui était trop accrocheur. Oh, waouh, franchement, vous avez une très belle femme. Oui, madame, like, I don't know, but it wasn't really good. En tout cas, vous voyez de quoi je parle. Et toi, en tant que personne élue, tu ne peux pas te permettre de laisser quelqu'un te draguer comme ça. Les élus ne peuvent rien faire derrière. Tout ce que tu fais doit être comme ça, là. Clair, visible. Tu peux pas faire le cache-cache. Le cache-cache va sucer ton énergie. Tu peux pas tromper ton mari. Et si tu te trompes, on va te montrer. Être élu, c'est quelque chose. Hein. Tu peux le tromper. D'ailleurs, tu vas commencer là. Il te trompe, on te montre. Derrière, il y a mes cheveux. Comprenez, non? Donc, faites attention à ces personnes qui vont vouloir dupliquer votre énergie, imiter votre énergie. Ce qui fait ta force, c'est la vérité. Voilà, aujourd'hui tu t'aimes toi-même d'abord. Aujourd'hui tu t'aimes. C'est tout, tu t'aimes. Tu te mets en priorité. Tu te mets avant les autres. Vanessa, elle dit que si tu consommes avant un dragon, on te donne la fatigue. Tu sais, quand un homme n'est pas vraiment pour toi, pour qu'il arrive jusqu'à toi, c'est dû. C'est dû. Soit c'est toi qu'on va fouetter, tu ne peux même pas continuer avec lui. Soit c'est lui qu'on va fouetter. Il va se lever, mais il va te fuir. Mm-hmm. Comme ça, du jour au lendemain. Vous vous séparez bien, ce qu'elle va dire, ok, on va faire l'amour demain, non. Ok, on fait l'amour après demain, non. Il dit oui. La nuit, là, elle mof, on le fouette dans le sommeil. Même si la vérité est personnelle en fonction de ta perception. Non, je ne pense pas. Les gens qui disent comme ça, vous voulez manipuler la vérité. La vérité, ça veut dire que tu ne te mets pas avec quelqu'un, tu t'engages avec la personne. Ok, je t'aime, je t'aime. Tu pars derrière, tu as une autre femme. Ça, c'est le mensonge. Et de dire que la vérité est... Tu peux tromper quelqu'un. Tu as une personne et tu rencontres une autre personne. Tu lui dis, j'ai
rencontrer quelqu'un d'autre. Je veux bien me mettre avec cette personne. Attends, si tu veux qu'on fasse la polygamie, faisons. Le choisi ne peut pas. Tu ne peux pas supporter. Donc, c'est que le jour où tu vas rencontrer la nouvelle personne, là, tu vas arrêter de coucher avec l'autre. Parce que ton énergie va commencer à aller vers l'autre personne, vers la nouvelle personne. Pourquoi les enfants spirituels ne sont pas avec les personnes qu'elles aiment? Il te faut quelqu'un, pas qui va t'aimer, mais quelqu'un qui va te supporter. Sortir avec, quand tu deviens déjà très, très, très spirituel et que ton énergie commence à s'ouvrir, tu as besoin de quelqu'un qui va te supporter plus qu'il ne t'aime. Si la personne ne peut pas te supporter d'abord, de prime abord, l'amour n'est pas tout. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es un élu et que tu commences à t'ouvrir, tu deviens insupportable, même pour toi-même. Irritable à tout bout de champ. Changement d'humeur à tout bout de champ. Tu fatigues le gars. Les gars avec le nom de ton mari, fuis. Oh là là. Oui, c'est ça. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui va te supporter plus. Oui, c'est comme ça que je veux l'affiche. Maintenant, dis-moi alors, tu vas positionner ça comment au magasin? La personne qui m'aime, je ne l'aime pas, c'est difficile. Mood, si tu aimes la personne, parce que d'abord, tes propres sentiments varient beaucoup. Les personnes choisies, les élus, ne sont pas stables émotionnellement. C'est pour ça que je dis que tu as besoin de quelqu'un qui va te supporter. Tu peux avoir 50 humeur en une journée. J'ai froid, j'ai chaud, oh, je suis en colère, oh, je ne t'aime plus, je t'aime, oui, tu es sûr que tu m'aimes, oh, tu vas toujours rester avec moi, oh, donc sors de chez moi, vraiment, oui, oh, c'est que tu n'as pas bien choisi, mamie. Oui. Les copines de ton mari viennent se présenter, ok, donne leur à manger, ça c'est au salon, vous faites les commentaires. Ce n'est pas l'homme que tu aimes dont tu as besoin. Parce que pour qu'un homme arrive à se mettre avec toi, jusqu'on accepte, il faut que lui-même d'abord soit fort. Si tu avais la mauvaise personne, ça va se gâter. Les ancêtres vont faire que ça se gâte. Soit il va perdre l'envie de te supporter, il va partir. Tu n'es pas trop, tu n'es pas la seule colérique, mamie. Bienvenue au club des femmes colériques. On a fait le club des maris des choisis. Les maris des femmes élues là. Ils vont s'asseoir. Dire que, elle fait souvent comme ça. Oui. Elle va aussi chez toi. Yeah. Deux choisis ne peuvent pas parce que un homme élu et une femme élue, non. Ils vont se cogner les têtes. Il peut y avoir des exceptions. Il y a des hommes choisis qui sont patients. Vu le temps, le changement d'humeur, le tempérament, il faut que l'un des partis soit calme. Oui. Pour laisser que l'autre qui bouge beaucoup dans tous les sens, comme le popcorn. Oui. Que l'autre personne là, ça amortisse. Il est comme le matelas. Tu sautes, tu tapes sur le matelas, ça t'adoucit. Ça t'adoucit. Oui. Non, si tu as le palu, bienvenue au club. Continue seulement, n'arrête pas les bains. Maman laisse. Souvent le gars, quand il demande que c'est laquelle qui est là, que c'est laquelle, c'est le bon. C'est le bon ou c'est le fâché, ou c'est le lequel. J'ai un ami comme ça, non, c'est un choisi. Oh, il y a les gens qui se gâtent, je le bloque même. Après, il part dans mon magasin, il demande qu'on m'appelle. On m'appelle, il commence à dire que ouais, maman, c'est quoi?
Oui, je bavarde et bavarde. Après, il le débloque encore. Il demande que c'est le bon ou c'est le mauvais. Quand il dit que c'est le bon, c'est le mauvais. Il me dit mouf. Il dit que non, c'est le mauvais qui est là. Comment on va parler demain? Oui. Je sais que je suis choisie. C'est pour faire quoi? C'est la question. Non, Rodolphe, si tu viens d'arriver sur ma page, il faut que tu écoutes un peu plus mes vidéos. Parfois, c'est comme si ton corps est en train de bouillonner. Tu fais certains trucs. Donc, parfois, je te lève comme ça, la colère sur toi. Il faut seulement que tu fasses du mal à quelqu'un ou bien tu énerves quelqu'un. Quand la personne est énervée, maintenant, tu te calmes. Parfois, quand on te parle, on t'explique ce qui t'arrive, ça t'aide à te calmer et à accepter ce qui se passe. Et c'est fou parce que c'est ton impulsivité qui rapporte au ciel. C'est ça qui fait que vos choses donnent. Tu t'es levé un matin, tu as dit faisons ça. Vous avez fait tout ça a donné. Après, qu'il faut calmer, mais dire que non, arrêtons comme ça. Vous avez dit que le jour où vous voyez mon mari, donnez-lui le jus, donnez-lui la bière. Il dit que tu veux le jus? Il dit non, je bois la bière. Il dit ok. Moi. Souvent, on se couche et on a un bon thème. Il me réveille à minuit comme ça, là, il te regarde. Ou bien je me lève pour aller faire pipi comme ça. Te regarde, tu m'énerves. Je piaffe. Je fais même tout pour te réveiller. Quand tu te réveilles, alors là, on doit faire le problème la nuit là, avant de dormir encore. Ça fait 2 ans que tu m'as perdu. Je suis là. Ton époux est choisi et il refuse d'aller. Maman. Parle à mon ancêtre, fais des offrandes pour lui, comme la libation, comme ça, là, tu parles, pour qu'on adoucisse son cœur. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas le forcer. Et les femmes impulsives, les femmes impulsives. S'il y a les hommes dans le direct, c'est ceux qui sont en train de regarder, ok, ouais. Mais Dieu a fait la femme. Lui-même, quand il se mettait pour fabriquer la femme, je ne sais pas. Il ne sait pas à quoi Dieu pensait. Vraiment. Trop de choses dans notre corps. Trop de choses. Quand tu vois, on a senti que ta bagarre, tout dans ton corps. Quand il veut les problèmes, tu montes, tu descends. Souvent, il te dit qu'on doit avoir les problèmes aujourd'hui. Et c'est moi, Zara, il dit que la paix est bien. Il dit la paix est bien. Je pars. Après, il me regarde. Il continue à manger. Il dit, tu ne réponds pas pourquoi? Hé, hey, Seigneur, je ne sais pas si on peut déranger comme moi. Et... Jesus. Muriel, sors du direct, tu reviens. On ne refuse pas l'appel, maman. Si tu refuses, si tu acceptes l'appel, ça vaut mieux pour toi. Si tu refuses, ça te complique un peu les choses. Il y a des personnes, quand vous refusez l'appel, vos choses ne marchent plus. Financièrement, vous êtes bloqué. Quand tu es avec ton gars, hein, si le jour où tu dis qu'on n'est plus ensemble, il considère ça, c'est que lui-même, il est fou. Il doit seulement te laisser. Tu te sépares de lui, tu te maries encore seul. Tu prends encore la bague, tu mets toi-même sur ta bague, après tu reviens. Il dit, ok. Tu es revenu, maman. Sors, poupon. Que bonne arrivée. On sort chez toi.
C'est parce que beaucoup d'entre vous, vous portez beaucoup de combats dans votre corps. Beaucoup de combats. Oui. Vous combattez beaucoup. Certains, vous combattez les démons de votre famille qui veulent vous empêcher de rester dans le mariage. Vous combattez certains de ces démons qui veulent vous faire rester dans la pauvreté. Il t'énerve. Le regard que tu poses sur lui. Parfois, tu restes comme ça, tu veux changer. Toi-même, tu te répands dans ton cœur que, ouais, Seigneur, moi, je sais que j'exagère. Mais après, quand ça commence, ça a encore le goût jusqu'à... Toi-même, tu sens comment ça a le goût de... Tu as le goût de l'action. Non, non, non. Dieu a donné le cœur aux hommes. On a fait la journée internationale de la patience de l'homme. Parce que si deux femmes sortaient ensemble, ce que tu lui fais, là, si on te fait ça même seulement une fois sur 50, c'est que tu as allé chasser la personne depuis. Il était une fois avec un homme qui avait le tempérament d'une femme. Tu dis A, il te dit A, B, C. Ça m'énervait jusqu'à... Quand il m'insultait comme ça, ça m'énerve. Il dit, mais je te dis que c'est ce que toi, tu m'as aussi dit, non. Ça m'énerve. Il dit que je suis la femme, tu n'es pas censé faire comme ça. Il dit que non. Et il dit, ok. Donc, on n'est pas du grand ensemble. Beaucoup de vous vous reconnaissez. Femme impulsive là. Bon, bye bye. Bonne soirée.